Il y en a qui ont apporté du gin. Un restant du party d'hier soir. Mais il veut partager. C'est ça que j'aime. Bonjour, famille. Bonjour, famille en ligne. Bienvenue à cette première journée de l'année 2023. Hey, on est gâtés aujourd'hui. Les lectures nous donnent une bénédiction de Dieu. Puis en plus de ça, on a la protection de la Vierge Marie parce que c'est sa journée aujourd'hui. On est gâtés, hein? Puis on a un cadeau à Saint-Jean 23, juste pour vous autres. Connaissez-vous, peux-tu avancer ça? Oui. Et voilà, la petite sœur Faustine. Connaissez-vous sœur Faustine? C'est l'apôtre de la miséricorde divine. Vous savez, la belle image de Jésus comme ça, qui répand tout son amour, ses grâces. Alors, dans sa communauté, ils ont une tradition. À chaque premier de l'an, il se pige un saint pour l'année, un saint et une sainte, puis ce saint-là va être leur patron pour toute l'année. Fait qu'aujourd'hui, on a pensé vous faire ce cadeau-là. Muriel, Serge, Muriel est là-bas. Ben Serge, puis ta chum, là, ben oui. Ils vont vous passer un petit papier, puis un saint puis une sainte là-dessus. Ça sera votre patron, puis il y a même une intention de prière. Fait que je vous souhaite une belle célébration. Demandez au Seigneur de vous inspirer ça, puis vous irez googler votre saint, votre sainte, pour mieux apprendre à le connaître. Il va vous protéger toute cette année. Bonne célébration. Et c'est la journée de prière pour la paix en plus. Hein, ça commence fort. On commence avec la quête à l'envers. Là, c'est la paroisse qui vous donne. Saint Jean 23, on fait toutes les affaires différentes. Vous en apporterez une à Nicole, ben oui. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu. Bonjour, année nouvelle, une aspiration à ce que nous soyons la meilleure part de nous-mêmes. Frères et sœurs, on est rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. En ce début d'année, que Dieu, notre Père, se penche sur vous et vous bénisse, qu'il vous donne sa grâce, sa paix et vous comble de toute sa joie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. On entre en célébration et on se donne de nouveau au Seigneur pour que notre vie soit dans la pureté,
de son amour. Nous reconnaissons, Seigneur, devant toi que nous avons péché. Et nous croyons que toi seul peux nous montrer la voie qui nous donne d'être ensemble sur cette route. Père de toute miséricorde, en nous accordant ton pardon, tu nous redis ton amour et nous te disons notre pauvreté. Bien que toute cette année te soit confiée, que ce soit à toi, bien à toi et rien qu'à toi. Entrons en célébration en écoutant ce chant, frères et sœurs. Car ton nom est grand et ton cœur est tendre, Kyrie eleison, ô pardonne-nous et relève-nous. Kyrie eleison, ô prends pitié de nous, Seigneur. Car ton nom est grand et ton cœur est tendre, Kyrie eleison, ô pardonne-nous et relève-nous. Kyrie eleison, ô prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il pardonne toutes nos fautes et nous conduise tous et toutes à la vie éternelle. Amen. Alors, on a bien sûr des raisons de rendre gloire à Dieu. Pourquoi, frères et sœurs, en ce premier jour de l'année, d'ailleurs qui est consacré à la paix, voulez-vous rendre gloire au Seigneur Jésus? J'aimerais vous entendre. La santé qu'il nous donne, pour sa fidélité à lui, même si nous ne le sommes pas toujours fidèles, pour l'espoir d'un monde meilleur, pour toute cette vie, hein, cette grâce de vie qu'il nous donne. Alléluia, oui. Pour son amour infini pour l'humanité. Hey, vous êtes en feu? Hein? Il y a beaucoup de belles choses hein, pour lesquelles on peut rendre grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Hey, Maurice, pour des jeunes qui ont été capables de se lever un matin et rendre gloire à Dieu. Oui! Alors, pour toutes ces belles intentions, Seigneur, et celles qu'on porte dans le cœur, bien sûr, nous voulons te chanter. On va chanter de gloire à Dieu avec les anges. Ouais. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cœurs triomphants? Gloria in excelsis Deo.
Seigneur, nous voulons te prier. Nous voulons te prier d'abord pour que la parole de Dieu puisse nous rejoindre aujourd'hui, mais pour les 364 prochains jours de l'année. Oui, que ta parole vienne en nous, qu'elle fasse son nid et qu'elle nous transforme peu à peu, afin que tu sois pour nous celui que tu es vraiment. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Livre des Nombres. Ça va? Okay. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël. Et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur est né. Alléluia, alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia. Alléluia. Bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Notre Sauveur est né. Alléluia. Alléluia. Dieu est venu chez nous. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Et quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision,
L'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On peut s'asseoir. Là, s'il y a une bénédiction qu'on peut se souhaiter, chacun, chacune, bien, c'est certainement celle qu'on a au Livre des Nombres qui a fait une grande, grande partie de l'Ancien Testament. Alors, que le Seigneur te bénisse, te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Quand le Seigneur fait briller sur soi son visage, c'est qu'ordinairement, on est près d'être avec lui et qu'il te prenne en grâce. Alors, la grâce suffit, hein? Je sais qu'on va se souhaiter bonne santé. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'aimerais mieux qu'on souhaite la grâce de Dieu et la santé est inclue si c'est le projet de Dieu sur nous. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Qu'il t'apporte la paix. Quelque chose aujourd'hui, hein, que nous puissions vivre en paix avec toutes les angoisses qu'on peut avoir. Et que les pays, les différents pays, puissent vivre en paix. On peut penser à l'Ukraine, on peut penser à Haïti aussi, où il y a dans les rues un débordement excessif qui fait qu'il n'y a plus d'ordre. Hein. Tout est chaos, le vrai chaos. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi je les bénirai. Alors, ce sera la bénédiction que je ferai pour vous à la fin de notre célébration. Maintenant, vous savez, tout comme moi, que le 1er de l'an, c'est la Journée mondiale de la paix. Connaissez-vous un peu l'histoire? En 1964, Raoul Follereau, qui est bien connu, surtout en Europe, l'apôtre qui a combattu la lèpre partout à travers l'Afrique et le monde entier, écrit aux Nations Unies pour qu'il y ait une journée dédiée à la paix dans le monde. Et cette journée-là, bien, on ne savait pas la date à l'époque, en 1964, et il ajoutait dans sa lettre, ça serait intéressant que cette journée-là, l'ensemble des pays de la planète prennent 1% de ce qu'ils donnent pour les questions militaires à la guerre, et que ce 1%-là du budget militaire soit versé aux Nations Unies pour venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin sur la planète. Surtout les pays sont en difficulté. 1%. Et je vous garantis que ça fait des milliards de dollars, juste 1%. Juste 1%, ça fait des milliards de dollars. Et puis, ça n'a pas été vraiment repris par les Nations Unies, mais il y a un apôtre qui l'a repris, qui est Paul VI. Et Paul VI s'est dit, « Hop là, il faut faire quelque chose avec ça. » Il y a une idée superbe là-dedans. Et on sait, hein, le Christ nous dit, « Je suis venu vous apporter la paix, non pas comme le monde l'apporte, mais comme moi, je veux bien la donner, cette paix-là. » Alors, il a repris ça à son compte et il a invité la jeunesse du monde à écrire un mot pour qu'on ait justement une journée mondiale de la paix. Il y a 3 millions de jeunes entre 1964 et 1968 qui ont écrit pour avoir la paix dans le monde, une journée spécifique, et que ces jeunes-là venaient surtout de 125 pays différents. Ça, c'était assez spécial. Et finalement, bien... le pape Paul VI a dit, bon, alors si les Nations Unies ne bougent pas plus que ça, nous, on va bouger et on va faire du 1er de l'an la Journée mondiale de la paix. Première Journée mondiale de la paix en 1968. Aujourd'hui, on est rendu à la 56e Journée mondiale de la paix. C'est pas rien, hein? Alors, il y a eu 56 messages des papes pour nous parler de paix. Alors, si vous allez googler ça, si vous allez sur Internet, vous allez voir vatican.va,
messages de paix du premier de l'an, là, vous allez toutes les retrouver un après l'autre, bien sûr. C'est aujourd'hui aussi une journée spéciale parce que c'est non seulement la 56e journée mondiale de la paix, mais c'est aussi la vénération pour nous, les catholiques, de Marie comme mère de Dieu, dans son humanité, évidemment, parce que dans sa divinité, il n'y a pas de mère divine, mais dans son humanité, il y a Marie, qui est la mère de Dieu. Donc, au Concile d'Éphèse, en 431, on a dit de Marie qu'elle était la Théotokos, donc la mère de Dieu. Ça commence bien l'année, hein? On commence avec le bras droit de Jésus, Marie, puis le bras droit de l'Église, qui est la paix. Alors, conjugués ensemble, ben, ça peut faire des enfants assez forts parce qu'on est comme investi hein, de cette paix-là intérieurement pour la redonner au monde qui nous entoure. Cette année, la thématique de la Journée mondiale de la paix, personne ne peut se sauver tout seul. Et le maître mot qui viendra par la suite dans le texte du pape, c'est « être ensemble ». Être ensemble. Alors, le pape nous invite à repartir après la COVID-19 pour tracer ensemble des sentiers de paix. J'ai pris quelques bribes de l'enseignement de cette lettre qui me touchait puis que je pensais qu'il pourrait être utile pour la communauté. Le pape nous dit, frères et sœurs, comme bien d'autres, ne restons pas endormis. Soyons plutôt vigilants. Et c'est une reprise d'un texte de Paul à la communauté de Thessaloniciens. C'est la communauté de Paul à Thessalonique. Les gens commençaient à douter que le Seigneur reviendrait à la fin des temps. C'était une aspiration qu'ils avaient. Il y en a même qui avaient arrêté de travailler parce qu'ils étaient sûrs que la fin du monde était pour arriver. Comme ça tardait, Paul dit, non, restez vigilants, continuez. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on attend dans notre foi le retour du Seigneur. Personne ne le sait. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais une chose certaine, c'est que ça peut être, si on le désire, si on le veut, si on est attentif, si on est des veilleurs à ce retour-là du Seigneur. Ça peut dynamiser en quelque part notre foi. Et si ce n'est pas pour la fin des temps, c'est au moins dans le cœur des autres qu'est le Christ qui revienne ou qui vienne dans le cœur des autres et le nôtre ici. Alors, pratiquer l'éveil. C'est quoi pratiquer l'éveil? Écoutez bien ça, ça a du bon sens. C'est ne pas d'abord s'enfermer dans nos peurs. Je ne sais pas si vous avez des peurs. Je ne vous connais pas assez pour ça. Mais s'il y en a et que vous vous enfermez dans vos peurs, c'est probablement pas la bonne voie pour être éveillé. Absolument pas. Alors, ne pas non plus céder aux distractions. Vous savez, on a tous une mission. Si vous l'avez bien identifiée, heureux êtes-vous, heureuse êtes-vous. Quelle est notre mission? Il ne s'agit pas juste de se souhaiter la santé, mais c'est de se souhaiter qu'on soit exactement là où on doit être pour notre mission. Il y a quelque chose là de plus, vous comprenez? Alors, ne pas s'enfermer dans nos peurs, ne pas céder à la distraction, ne pas nous décourager. Dans le monde d'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui sont découragés ou qui cachent leur découragement. Il faut être attentif, hein? Il faut être à l'écoute. Il faut être vraiment à l'écoute. Alors, veillez afin de voir venir les lueurs du jour. Il y a de l'espérance, là. Hein? Veillez afin de voir venir les lueurs du jour qui s'en vient. Parce qu'il y a un jour nouveau qui est en train de se créer. On ne le voit pas, hein? C'est la construction du royaume.
on ne s'en rend pas compte. On ne peut pas dire « il est là, il est là, il est là ». Non, non, il y a une croissance graduelle en nous comme autour de nous. Il nous dit que la COVID-19, essaie d'en faire un bilan, nous a entraînés dans un tourbillon de défis imprévus. On a plein de défis imprévus qui sont devant nous actuellement. Nous avons certainement appris que nous avons tous besoin les uns des autres. C'est un des grands défis, probablement, une grande conclusion, une grande conscience qu'on peut avoir de la COVID, de devenir, en quelque part, autosuffisant pour un pays. Vous savez, si les médicaments sont faits ailleurs dans le monde, puis qu'on a un froid avec ce pays-là, comment on va avoir les médicaments? Donc, créer quelque chose qui fasse qu'on peut répondre aux besoins des gens de chez nous. C'est pour ça qu'il va dire que le maître mot que nous devrions avoir ensemble, c'est le mot justement « ensemble », « être ensemble ». Le mot « ensemble », dans le fond, c'est le mot « fraternité », va pleinement redécouvrir sa place si les uns et les autres, on se laisse influencer par Dieu. Si on se laisse influencer par Dieu, ça va être d'abord se laisser influencer par sa parole. Et si c'est se laisser influencer par sa parole, bien, il faut l'ouvrir de temps à autre, frères et sœurs, chez soi, et faire comme Marie, méditer la parole, prendre le temps de la faire résonner en nous. Alors, il va dire, « Seule la paix qui naît de la fraternité peut nous conduire comme famille humaine à ce monde meilleur que nous recherchons. » Il pense que la voie royale pour arriver à ce monde ensemble, à ce monde meilleur, c'est la paix. Je comprends que derrière la paix, il y a l'amour. Mais la paix, c'est un souhait qu'on se souhaite tous et toutes. Il n'y a pas personne qui ne veut pas que l'autre soit en paix ou qu'un pays ne soit pas en paix, qu'une ville ne soit pas en paix. On veut tous la paix, dans le fond, parce que ça a toujours une résonance chez nous. Si notre voisin n'est pas en paix, mais là, ça va avoir des échos sur notre rapport l'un avec l'autre. La paix devient comme fondamentale. Et ce n'est pas à la manière des hommes que je vais donner la paix, c'est selon ce que Dieu est, il va donner la paix. Comment aller chercher et connaître comment la paix vient à nous par Dieu, puisque ce n'est pas la paix du monde? Bien, juste voir comment vous réagissez. Tu sais, au lieu d'avoir donné des milliards et des milliards de dollars pour la guerre en Ukraine par les pays occidentaux, si on avait donné ces milliards et ces milliards de dollars-là pour créer des conditions de paix chez les plus pauvres, autant en Ukraine qu'en Russie, bien là, l'image que l'Occident aurait eue, du moins pour le peuple russe, aurait été complètement différente. Il n'aurait pas été, omnibulé par les télévisions et les réseaux publics en Russie. Les gens auraient été plus à même de voir que il n'y a pas juste du monde mauvais et méchant en Occident, comme on le sait, nous. Il n'y a pas juste du monde mauvais et méchant en Russie. On le sait, ça. Mais quand la propagande nous envahit, ce n'est pas toujours évident, mes frères et sœurs. Alors, maintenant, le pape nous pose la question. Est-ce que nous choisissons de nous laisser transformer le cœur? Et c'est quoi laisser transformer son cœur? Je le dis souvent, moi, ceux qui me connaissent le savent, c'est par les pieds que tout se passe. Non, mais c'est vrai. Les pieds, on sait ce qui nous amène. Alors, si mes pieds m'amènent, par exemple, toujours devant la télévision, ou toujours devant des jeux, ou toujours devant une réalité qui n'est pas nécessairement une réalité qui fait vivre, qui n'est pas le « ensemble » que le pape souhaite, bien là, mes pieds, ils ne me trahissent pas.
Je veux bien appeler mon cœur et me dire « qu'est-ce que tu en penses? » Mais si je regarde mes pieds me disent vraiment la vérité. Les pieds nous disent la vérité. Et il nous fait voir si on est des artisans, donc des faiseurs de paix, plutôt que juste des partisans. On est des artisans de cette paix-là. Il nous invite à penser d'abord au bien commun. Bien sûr, hein? Si on veut avoir la paix, il faut penser au bien commun. Mais c'est quoi le bien commun? C'est d'abord notre fraternité universelle. C'est d'abord accueillir l'autre là-bas et ici. Quelle est notre ouverture d'esprit pour tous les migrants qui viennent chez nous? Est-ce qu'il faut limiter ça à tant de centaines de mille au Canada ou pas? Et comment on va les accueillir? Est-ce qu'on va vouloir les intégrer? Moi, je pense que là, on a un super de beau défi. Je connais un homme ici, sur la Rive-Sud. Sa mission, c'est d'accueillir les personnes venant d'ailleurs, leur trouver logement, leur trouver des vêtements chauds en hiver, leur trouver ne serait-ce qu'un faux micro-ondes, leur trouver ce qu'il faut pour pouvoir vivre décemment. Cet homme-là fait mon admiration. Je vous le dis, il fait mon admiration parce qu'il est au front. Il est au front. Alors, si jamais vous avez ou vous connaissez un endroit pour pouvoir loger les meubles, les frigos, toutes les choses qu'il ramasse un peu partout pour l'entreposage, lui va se servir de ça pour pouvoir aller reporter chez ces familles-là, nouvellement arrivées ici, quelque chose d'essentiel à leur vie, que ce soit un poêle, un frigidaire, un bureau, un lit, etc. Le pape nous invite donc à contribuer à notre juste part, selon nos charismes et nos talents, pour que la paix se fasse comme elle doit se faire par des artisans. Ce n'est pas juste compter sur les gouvernements, c'est aussi compter sur chacun et chacune d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça vous-même. Quand vous pensez à la paix, est-ce que vous êtes porté aussi à inclure la non-violence évangélique? Bon, est-ce que dans notre réflexion sur la paix, on pourrait dire oui, ça va jusqu'à la non-violence évangélique? Et c'est quoi la non-violence évangélique? Bien, c'est l'inverse d'aller prendre la vie de quelqu'un ou le bien de quelqu'un d'autre. C'est l'inverse. C'est donner sa vie. C'est prends ce qu'il te faut. Je veux partager avec toi. On est dans un autre monde, hein? Quand on parle de la non-violence évangélique, c'est pas le lot coutumier des gens. C'est normal. Mais on n'empêche pas qu'une réflexion sur la paix ne peut pas se faire sans qu'on aille jusqu'à la non-violence évangélique. Vous avez l'occasion, avec le saint qui est le vôtre, qui vous a été donné en début de célébration, ou que pour ceux qui sont arrivés après l'heure de la messe, vous pourrez prendre ça aussi à l'arrière. Il y aura certainement un saint qui vous est dédié pour l'année. Vous pourrez aller voir chez lui c'est quoi qu'il a été comme instrument de paix pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait pour la paix dans l'humanité? Alors, Seigneur, en ce premier jour de l'an, moi, je te rends grâce, je te remercie. Parce que devant nous, tout devient possible. On apprend des choses et on veut les partager. On te rend grâce parce qu'il y a pour nous une main toujours tendue et nous voulons être cette main tendue aussi pour nos frères et nos sœurs jusqu'à temps qu'ils découvrent le Seigneur, jusqu'à temps qu'ils nous donnent la permission de leur parler de notre grand amour pour Dieu.
Père, en ce premier jour de l'an, que cette année te soit vraiment consacrée, que notre communauté chrétienne puisse faire tout le chemin qu'elle a à parcourir pour être pour toi un lieu de paix et de joie. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever, on va ensemble confesser notre foi. Aux questions que je vous pose, vous pourrez répondre « oui, je crois ». Croyez-vous sincèrement, frères et sœurs, que Dieu est venu à notre rencontre et qu'il nous a donné le Christ Jésus comme sauveur du monde? Croyez-vous qu'au début de toute vie, il y a Dieu et que ce Dieu d'amour et de tendresse est à l'origine de toute chose? Croyez-vous que l'Esprit Saint nous a été donné pour qu'on sache suivre les pas du Seigneur Jésus? Je crois. Et voilà notre foi qu'on est fiers ensemble de proclamer. Maintenant, nous allons prier en vérité. Une prière confiante, c'est celle qui nous fait nous tourner vers Dieu. Dieu qui est pour nous à la fois Père et Mère. Par la venue de son Fils dans notre humanité, Dieu s'est fait proche de nous. Il nous comble certainement de toutes ses grâces. Laissons monter vers lui notre prière fervente. Disons, Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les responsables en Église, qu'avec le soutien de son esprit, ils puissent reconnaître, accompagner et réconforter les personnes mal aimées et rejetées. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les réfugiés venant de pays douloureusement marqués par la violence et la guerre, que les gens qui les accueillent et les rencontrent soient des messagers d'espérance et de paix. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les personnes qui souffrent de manque d'amour, de solitude, de maladie, de découragement. Qu'elles goûtent sa présence compatissante dans les intervenants spécialisés ou les bénévoles à leur côté. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse toutes nos familles, qu'elles soient des lieux où les enfants grandissent dans la confiance et la conviction d'être acceptés et aimés pour ce qu'ils sont. Seigneur, entends et exauce notre prière. Que le Seigneur bénisse les membres de notre communauté, qu'ils méditent son amour et désirent en témoigner dans leur milieu de vie tout au long de l'année. Seigneur, entends et exauce notre prière. Frères et sœurs, si vous voulez faire monter vos propres prières vers le Seigneur, bien, vous pouvez le faire. Nous pourrons prier avec vous. Tu vois, Seigneur notre Dieu, toutes ces prières qui s'adressent à toi pour la paix dans notre monde, pour que la vie soit meilleure pour tous et toutes. Oui, nous te prions. Seigneur, entends et exauce notre prière. Béni sois-tu, Seigneur, tu es pour nous un Père qui a un cœur de mère. Tu veux nous montrer ton visage, un visage aimant. Alors que ton esprit vienne en aide à tous ceux et celles pour lesquels nous avons prié. Donne-nous en cette année nouvelle la certitude de ta présence, de la présence de ton Fils parmi nous et de ton esprit en nous. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Alors, deux petites nouvelles. Nicole, tu en as une pour commencer? Oui, cette semaine, je voulais prendre encore vacances, mais
J'ai pensé à quelque chose. Vendredi sera le premier vendredi du mois et j'aimerais qu'on vienne faire de l'adoration parce que pour moi, ça va être l'épiphanie, c'est les mages. Pourquoi serions-nous pas des mages, nous autres aussi, venir adorer le Seigneur? Bien, pour moi, c'est ça. Je vous invite tous et toutes à venir adorer le Seigneur. Premier vendredi du mois, de quelle heure à quelle heure? De 1h à 4h, de 13h à 16h. Merci beaucoup, merci. Alors, une deuxième nouvelle, vous savez que des fois, on vous demande des choses comme ça pour le dimanche qui va venir. Dimanche qui vient, c'est le dimanche de l'Épiphanie. Au comité de liturgie, on a pensé que ce serait peut-être bon d'apporter un drapeau de son pays, ou encore quelque chose qui représente votre pays, ou même vous habiller avec le costume de votre pays. Donc là, on se demandait au Québec, ça va être quoi notre costume? Alors, là, ceinture j'ai fléchée. Dit... Hein? Ceinture fléchée puis running. La ceinture fléchée, la running puis les pantalons troués, non? Non, bien, venez avec un costume de votre pays, si vous le voulez, puis un drapeau de votre pays. Alors, on va fêter toutes les nations, évidemment, pour l'Épiphanie. On rajoute quelque chose, ma chère? Graziella, c'est bon? C'est bon? Excellent. Ah, oui! Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, on a le début du parcours pour les Alpha, hein, les parcours Alpha. C'est important, ça. Ça va être le 24 janvier, mais on s'inscrit avant à la paroisse. Explorer le sens de la vie. C'est aussi simple que ça, les parcours Alpha. Ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de jugement. On fait ça en trois étapes à travers toutes ces rencontres-là qu'on va avoir, qui vont être les mardis soirs. On va avoir trois étapes. La première étape, ça va être de pouvoir manger ensemble. Inquiétez-vous pas, la bouffe va être là, il n'y a pas de problème. La deuxième étape, on regardera une vidéo. Et à travers cette vidéo-là, bien, on va pouvoir réfléchir sur des choses qui nous sont données à notre réflexion. Puis après, on partage ensemble dans la troisième étape. Alors, vidéo, partage, tout au long de notre soirée. Les soirées commencent à 6 heures, se terminent vers 9 heures. Peut-être avant, si on a fini le partage, bien sûr. Alors, il y aura des rencontres. Vous pouvez vous inscrire. Pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, évidemment, on pourra vous en dire davantage. Vous pourrez regarder sur notre site et vous pouvez vous inscrire à partir des parcours Alpha, à la paroisse aussi, il n'y a pas de problème. Alors, on souhaite être un bon nombre pour vivre cette expérience-là ensemble. Je suis convaincu que vous ne le regretterez pas. Et comme équipe pastorale, on compte beaucoup sur la présence de tous et toutes, sans distinction, ayant ou n'ayant pas la foi, peu importe. Là, l'important, c'est qu'on se respecte et qu'on chemine ensemble. Vous êtes tous et toutes, bien sûr, les bienvenus en vous inscrivant. C'est bon. On poursuit la célébration? Je te bénis et te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Je te bénis et te garde, il te couvrira du don de sa grâce, il te soutient sur ton chemin, il t'apporte la paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église.
Seigneur Dieu, dans ta bonté, nous savons que tu es à l'origine de tout bien. Tu les mènes aussi à sa perfection. Puisqu'à travers la solennité de la Mère, la Sainte Mère de Dieu, Marie, nous puissions célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce. Donne-nous aujourd'hui même la joie d'en recueillir tous les fruits. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste, mais il est aussi bon de te rendre grâce, de te glorifier, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes toujours et en tout lieu. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, nous voulons te redire notre joie d'être avec toi, te glorifier. Nous savons qu'elle a conçu ton Fils unique lorsque l'Esprit-Saint l'a couvrie de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, Marie nous a donné la lumière du monde, la lumière éternelle, le Christ Jésus. Les anges célèbrent ta grandeur, Seigneur. Les esprits adorent ton cœur, ta vie. À travers le Christ lui-même, s'incline devant lui toutes les puissances d'en haut, tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors, laisse-nous joindre nos voix à l'hymne de louange que nous te chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Père, à la fois ce premier jour de la semaine, jour de résurrection, mais en même temps, premier jour de l'année, dédié à la paix dans notre monde, notre cœur se tourne vers toi, nous voulons te louer, te remercier, te dire comment tu es grand à nos yeux. Notre avenir est entre tes mains, Seigneur. L'avenir de notre communauté chrétienne et de toute l'Église, bien sûr. Père, accueille tous nos frères et sœurs et envoie sur eux ton esprit. Sur nos frères et sœurs présents dans cette Église, ceux qui sont avec nous en ligne, que ton esprit nous rejoigne, que nous laissions cette belle part de Dieu en nous s'épanouir. Envoie aussi ton Esprit Saint sur ce pain, ce vin, deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit le pain, il rendit grâce, rompit le pain, le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » À la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce,
la donna aux disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est venu, il est là, il reviendra, c'est Noël. Il est vivant, c'est Noël. Père, merci de nous associer à la vie de ton Fils Jésus, de faire de nous une communauté vivante, une communauté qui souhaite que tout homme et toute femme puissent naître de nouveau. Père, nous te rendons grâce pour tous ceux et celles qui nous ont précédés dans la foi, pour tous les saints, tous les saintes, pour le patron de notre communauté, Saint Jean 23. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous voulons aussi te prier pour tous nos frères et sœurs qui ont quitté ce monde, nos paroissiens et nos paroissiennes, pour aussi Clarida Fortin. Te prions aussi pour le pape Benoît XVI qui est décédé. Nous te rendons grâce pour la vie de ces femmes et de ces hommes qui redisent quelque chose de toi. Nous te rendons grâce pour le pape François, pour lequel nous te prions. Te prions aussi pour ceux et celles qui nous tiennent à cœur, que nous portons dans notre cœur, que nous t'offrons. Garde-nous en communion les uns avec les autres, avec notre évêque Claude Hamelin, avec tous ceux et celles qui portent la charge pastorale de ton peuple, avec Marie, avec Joseph, avec tous les bergers, nous te prions, nous te rendons grâce. Révèle-toi à nous, Seigneur notre Dieu, comme tu l'as fait pour les bergers, pour que jamais plus notre vie soit semblable et pareille, mais qu'elle puisse prendre une route tout à fait inédite. Pour tant d'amour, nous te disons merci. Pour tant d'amour, nous te rendons grâce. Et nous te prions tous ensemble, Seigneur, pour la personne qui, dans notre assemblée, en a le plus besoin. Que la force de ton esprit vienne brûler son cœur. Qu'elle ressente en elle cette effusion de l'esprit. Seigneur, entends notre prière. Tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Nous avons reçu du Seigneur une si belle prière, bien reprenons-la tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
grâce, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Oui, Père, nous te disons amen. Qu'il en soit ainsi. Oui, nous sommes d'accord. Pour que notre vie puisse se transformer graduellement en ta présence. Nous te le demandons en cette nouvelle année. Que notre vie devienne une glorification pour ton nom. Que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies. Et maintenant, toi, tu nous offres ta paix, tu nous invites, tu nous convies à la paix pour que nous puissions être ces artisans, artisanes de paix que ton Église a tant besoin. Merci, Père, non seulement de nous donner ta paix, mais de nous aider à la transmettre à nos frères et sœurs. Comme pasteur de la communauté, je vous dis que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Votre esprit. Prenez le temps de vous coller, de vous embrasser si vous n'avez pas peur dans votre bulle familiale. Souhaitez-vous la paix, frères et sœurs. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Ensemble, donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent tous et toutes pour la vie éternelle.
mère. Ô Marie que j'aime tant, berce encore ton enfant qui t'appelle dans la prière. Désormais, il n'y a plus d'orphelins, car toi, Marie, tu les adoptes. Aucun enfant ne marchera seul sur le chemin, car toi, Marie, tu les escortes. Ô Marie, ma mère, ô Marie que j'aime tant, berce encore ton enfant qui t'appelle dans la prière. Comme tu es belle, ô bonne mère, tu es si douce pour tes enfants. Mon amour monte vers toi en cette prière. Mon amour est dans ce chant. Ô Marie, ma mère, ô Marie que j'aime tant, berce encore ton enfant qui t'appelle dans la prière. Si souvent tu as su me consoler, tu sais ce dont j'ai besoin. Parfois ne serait-ce qu'un simple baiser d'un cœur qui bat auprès du mien. Ô Marie, ma mère, ô Marie que j'aime tant, berce encore ton enfant qui t'appelle dans la prière. Père, il y a un très beau vocable pour Marie. Non seulement elle est la mère de ton fils, mais elle est aussi reine de la paix. Puisqu'elle méditait en son cœur tout ce qui lui arrivait, puisqu'elle reprenait en elle ce que tu lui faisais connaître, elle devenait ainsi reine de paix pour tout homme et pour toute femme. Marie, que tu sois pour chacune de nous cette reine de paix qui nous montre le chemin, qui nous conduit à ton Fils Jésus, le Prince de la paix. Dans cette journée mondiale de la paix, nous puissions prendre quelques instants dans ce jour pour nous rappeler l'importance de la paix pour tout homme et pour toute femme. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles,
Amen. J'aimerais rappeler à la communauté qu'il est aussi possible pour vous, si des fois ça arrive hein, qu'on n'a pas d'argent, alors à l'arrière, on a ce qu'il faut pour payer avec votre carte de crédit ou tout simplement avec le bidule qu'on a. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais un square? Oui, en bon français, un square. Pardon? Oui, 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 oui. Windiam, tu fais aller la main? Parce qu'on ne pourra pas l'annoncer tout de suite, je pense, si c'est ça que tu veux dire. On va s'en reparler, OK? On va s'en reparler. Pas de problème. OK, alors, donc, adoration, premier vendredi du mois, de 13h à 16h. On sait que le pape Benoît XVI est décédé. On aura une petite pensée pour ses proches et lui-même. À part ça, bien, on a les vœux de la bonne année que j'aimerais vous souhaiter. Alors, je vous invite à vous lever et je vais simplement reprendre la bénédiction que nous avons dans le prions en Église. Tu veux bénir ton peuple, Seigneur, ton peuple qui est ici à Saint-Jean 23, que toi-même rassemble. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix, celle qui vient de Dieu, et qu'il vous bénisse en cette année nouvelle, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Puis Nicole, elle a quelque chose pour toi, Maurice. Elle a quelque chose pour moi. Oui, j'aimerais ça que l'Assemblée puisse partager quelques paroles et tendre leurs mains vers Maurice pour le bénir lui aussi. Il est tellement fin pour nous bénir, donc on pourrait le bénir lui aussi. Il en a besoin. Merci. Seigneur, viens bénir notre pasteur. Tu nous l'as donné. Tu l'as confié la tâche de notre père spirituel. Alors viens de lui donner tous les dons qu'il a besoin pour nous faire connaître Dieu, nous faire grandir, nous apprendre à découvrir nos dons, nos talents, de se mettre à son service du Seigneur et de le faire connaître partout, partout, partout où on va passer. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Merci beaucoup. Alors, Daniel et moi, on se joint ensemble avec Myriam et puis avec aussi Fred. Nicolas, Fred. Marie-Audrey. Marie-Audrey, mon Dieu. On a bien du monde. Ça se multiplie. Pour vous dire merci d'être là, puis merci de vous investir dans la communauté, merci de faire de notre communauté la communauté qu'elle est. Un grand merci. Serge? Oui. Hey, c'est beau, hein? Alors, j'aimerais ça que la famille qui l'a fait, qui nous l'a emporté, vous veniez ici, qu'on vous remercie. Venez avec nous ici, là, en avant, avec... Venez. Allez, pas de gêne. Approchez-vous. C'est un grand merci hein, qu'on vous fait de nous avoir donné cette nappe-là. Merci beaucoup. Merci. Veux-tu dire un mot? Donne le micro, s'il te plaît. Oui. C'est beau, merci. Voilà, je vous laisse la parole, 3 secondes. Merci, bonjour. Et je voudrais remercier tout ce qu'on a reçu, moi et ma famille, de cette paroisse, puis de toute la famille qu'on a considérée proche de nous quand je suis arrivée ici. Donc, c'est un petit détail pour remercier tout ce qu'on a reçu
de tout le monde ici. Merci beaucoup. Merci. On leur chante-tu, c'est à ton tour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Et pep, pep. Yeah. Hey, j'ai-tu fait la bénédiction? Oui, hein, je l'ai faite. Hein? Oh. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à vous et nous est donnée pour mériter le paradis. Pour mériter le paradis. Bonne année tout le monde. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année. Rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est toute à vous et nous est donnée pour mériter le paradis. Pour mériter le paradis.